Les summaries t'arrivent dans quelques jours et si tu veux continuer à te faire plaisir avec des crédits, je te conseille d'aller sur IGVote. Lien et coupon de réduction dans la description. Et si tu cherches des boissons énergisantes pour le gaming et le sport, je te conseille d'aller check Level Up. Lien et réduction dans la description. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va très très bien les gars. Et aujourd'hui, une petite vidéo FUT Champion où on a un petit peu upgrade l'équipe de mon frère. Voilà, vous le savez, ces dernières semaines, on joue sur son compte et on essaye de le carry, de lui obtenir des belles cartes rouges et surtout bah, de reprendre un peu de plaisir. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on a acheté deux nouveaux joueurs qui du coup intègrent l'équipe. Vous l'avez devant vos yeux, voilà, et ces deux joueurs sont des attaquants, Cezinha et Dalglish, le célèbre Cezinha. Vaillant trentenaire qui joue en Corée du Sud et qui a une carte meilleure que Ronaldinho Prime Moment. Et oui les gars, c'est une réalité parce que je peux vous promettre une chose, c'est qu'il est archi bon. Une carte, 5 mauvais pieds, 4 gestes techniques avec vraiment les stats méta à 100%. Et un revenant Dalglish qu'on a testé maintes et maintes fois sur mon compte, que j'ai du coup acquis sur le compte de mon frère. Il avait les crédits. Il a sorti le porte-monnaie avec beaucoup, beaucoup d'hésitation. Voilà, le hérisson était présent au moment de mettre la main à la poche, mais je l'ai convaincu. Voilà, je l'ai convaincu pour faire un bon fut de champion. J'ai besoin d'hommes de ce calibre. Et vous le savez, Dalglish. C'est clairement un glitch à lui tout seul. Et c'est le genre de joueur qui peut tout changer en un match. Et je vous confirme, ça s'est plutôt pas mal passé lors de ces premiers matchs. Alors ce qu'il faut savoir les gars, c'est que lors des deux premiers matchs, je n'ai pas joué avec Dalglish, j'ai joué avec Ronaldinho Prime Moment. C'est pour ça que j'ai fait cette petite référence d'ailleurs en intro. Je l'ai joué en prêt, voilà, il l'avait en prêt hein, via les objectifs, du coup je ne savais pas qui mettre. Il avait certes des crédits, mais je n'avais pas envie de trop lui dépenser. Je me suis dit, allez, pendant quelques matchs, on va le mettre en prêt, voilà, pour le tester, parce que je ne l'ai pas testé, et parce qu'il est très fort, enfin... C'est ce qu'on peut penser. Après, oui, il est fort. Mais clairement, ce n'est pas du niveau d'une icône Prime Moment. Ce n'est pas du niveau d'un Ronaldinho qu'on connaît tous, voilà, dans le jeu. Il est fort, mais il y a meilleur. Il y a des cartes meilleures. Et la carte que je vous présente, que je vais vous présenter, qui est sur la miniature, que je vous ai parlé en intro, c'est du même niveau, voire meilleur. C'est triste. Mais c'est la dure réalité de FIFA. Et c'est vrai qu'on peut en parler dans cette vidéo, malheureusement. La grande quantité de cartes comme ça, ça fait du contenu certes, mais c'est complètement irréaliste, c'est complètement démesuré. Et les icônes, malheureusement, ne sont pas des icônes, ce sont juste de vulgaires cartes qu'on paye une fortune, mais qui sont dépassées. Et pourtant, on le sait, les Prime Icon Moment arrivent tard dans le jeu, au mois de février-mars. Mais force est de constater qu'avec ces tots cette année, qui ne sont même pas des tots, qui ont été des tots mi-saison. Hein, c'est des tots so far, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle en anglais. Mais vous avez compris les gars, les cartes qui sont arrivées ces derniers jours, notamment justement Cezinha, sont juste gonflées à bloc pour des joueurs qui n'ont pas forcément eu une carrière extraordinaire. On parle quand même d'un Cezinha qui a fait une bonne saison en D1 coréenne, comparé à un Ronaldinho Prime Moment qui a juste fait une carrière monstrueuse, qui aurait même pu faire mieux. On connaît les frasques du joueur avec ses nombreuses sorties nocturnes et son amour pour les femmes. Cezinha, d'un coréenne qui a fait une carrière somptueuse. j'exagère les gars bien sûr. Non mais qui a fait toute sa carrière au Brésil, qui a débarqué en Corée cette année je crois ou l'an dernier, qui a une carte meilleure. Hein. Vous prenez les stats in-game de Cezinha. Tots là comparé à Ronnie Prime Moment, c'est la même. Mais ce n'est pas cohérent les gars, on est bien d'accord. Mais ça, c'est bis repetita. On le dit, on le répète à chaque fois. Là, ce que je vous dis, oui, c'est un même son de cloche que d'habitude. Mais c'est cruellement triste. Voilà, c'est cruellement triste. Et clairement, il faut qu'eSport fasse quelque chose pour revaloriser un petit peu ces icônes. Ou pour peut-être dévaloriser ces cartes Tots venues de championnats exotiques. Qui, je suis désolé, ne mérite pas autant de qualité. Même si pour le coup, regardez, on a kiffé. Hein. Franchement, le joueur est monstrueux. Hein. Il est vraiment fort, il est plaisant à jouer. Mais je préférerais prendre du plaisir avec un Ronaldinho qu'un Cezinha. Tout simplement parce que un Ronaldinho m'a fait rêver dans ma jeunesse. Vous a fait rêver dans votre jeunesse. Ou peut-être par le biais de vidéos que vous avez vues sur YouTube. Parce que certains d'entre vous l'ont peut-être pas vu jouer. Si vous êtes très jeune. Mais quoi qu'il arrive, ouais, c'est...
c'est la dure réalité. Autre défaut aussi du jeu, c'est là, ouais, clairement. Bon, après, on n'est pas là pour se plaindre, les gars. Franchement, le gameplay est très, très propre. C'est pour ça que je vous en propose une vidéo. Le truc qui me dérange beaucoup cette année, c'est qu'on ne peut plus croiser une frappe. Alors, souvenez-vous, c'était sur FIFA 18, je crois, où justement, tu faisais double B, tu croisais, c'était vraiment la spéciale. C'était que comme ça que tu pouvais marquer. Et contrairement aux années précédentes, sur les derniers FIFA, depuis maintenant FIFA 19, surtout depuis cette année, c'est full frappe premier poteau. C'est-à-dire que c'est tout l'inverse. On a dû suffisamment rager les années précédentes sur les frappes croisées. Ils ont voulu écouter la communauté, mais au lieu de trouver un juste milieu, ben tu vois, maintenant, tu peux plus croiser. Genre, une frappe croisée, ça ne rentre jamais. C'est insane. C'est vraiment la base du foot, quand même. Une bonne frappe croisée, ça fait du bien au pied. Enfin, même toi, en situation réelle, tu vas te trouver devant le but, tu vas vouloir croiser. Mais dans FIFA, non, tu ne peux pas. Alors, plein de fois, là, en Fut Champ, dans ce début de Fut Champ, j'ai voulu croiser. Chaque fois, ça ne rentrait pas. Et franchement, ça me faisait rire. Ça me faisait rire parce que c'est quand même une logique de croiser, mais dans ce jeu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Regardez ici, je crois que je vais faire l'erreur. Après, je vous avoue, les gars, que là, je la passe, il y a but. Si je fais la passe à Neymar, il y a but. Mais là, j'ai voulu croiser. Alors, c'est vrai que le gardien est bien sorti, mais ça n'a pas fonctionné. Après, regardez ça, c'est joli. Ça, c'est beau. Ça, ça nous fait rêver. Et c'est ce qui fait kiffer dans le jeu. Mais sûrement que ouais, c'est pas le meilleur exemple pour vous illustrer les frappes croisées, parce que le gardien était bien sorti, mais d'une manière globale, les gars, on est bien d'accord que les frappes croisées sont relativement inefficaces cette année, et c'est très dommage. C'est très dommage parce que justement, les frappes croisées, c'est quand même une arme dévastatrice dans le football réel, et dans FIFA, c'est une arme de seconde zone. Voilà, c'est vraiment une arme grise de Fortnite, tu vois, genre, c'est éclaté. Tandis qu'une frappe premier poteau, c'est vraiment une arme épique sur Fortnite. Enfin, voilà, la comparaison est débile, mais vous m'avez compris. C'est un petit peu dommage. La frappe premier poteau qui rend de Lewandowski, bon après celle-là, elle est quand même simple, on va dire, parce qu'il a 99 et qu'il a une finition juste monstrueuse. Mais ouais, c'est le petit problème, voilà, les petits problèmes parmi tant d'autres. On va pas faire que parler de problèmes, il y en aurait pour une heure, là, comme vous pouvez le constater, il y en a pour 10 minutes, voilà, de parler de ces petites choses. C'est ce qui m'a interpellé, en fait, dans ces gameplays-là. J'ai vraiment kiffé, j'ai kiffé jouer, mais voilà, ces petits trucs que je vous ai dit, pour moi, ce sont des choses à corriger pour les prochains FIFA. On espère que ça soit corrigé, même si, pour le coup, c'est un dialogue de sourds. Tu parles à des sourds, c'est la même chose, malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Regardez, là, on est à un partout, et ça va être bien joué, de notre part, avec Awar, qui est très fort. Franchement, Awar, c'est une satisfaction. Contrairement à Depay, je vous avais dit que j'avais pas aimé la carte rouge. C'est pour ça que je ne l'ai pas mise pour ce fut champion et que j'ai préféré investir sur Dalglish et Cézinha. Cézinha très efficace qu'on retrouve ici. Regardez, voilà, c'est très agile. La petite passe pour Neymar. On peut le retrouver au centre, mais il a décidé de ne pas se manifester. Et du coup, c'est Dalglish, voilà, qu'on retrouve. Un de nos deux hommes vraiment très très importants, les hommes clés de ce début de fut champ, les deux nouveaux achats qui font vraiment plaisir. Le pénalty anecdotique pour notre adversaire, bien suffisant, voilà, 3-2. Le rouge, hein, au passage, c'était un petit peu inutile, mais bon, on voit que j'étais assez agacé, un jeu agressif, avec beaucoup de fautes et surtout beaucoup de rage. Mais bon, voilà, c'est FIFA, c'est pour ça que je live pas, hein. Vraiment, je vous avoue, je voulais live, mais je les ai fait dans mon coin. Je me suis dit, vas-y, prépare une petite vidéo propre, où tu parles en différé, où tu seras plus agréable que de faire un live, où tu vas être là, focus et à chouiner, râler. Je préfère vous faire ça. Septième match, du coup, et regardez. Regardez, 2-0, la cata, et je vous jure, le mec était pas ouf, sa team pas ouf, hein, il coupe un mécano informe en défense, enfin voilà, il avait pas une équipe ouf, hein, on va pas se mentir. Du coup, là, il y avait interdit de le perdre, ça commence très mal, 2-0, mais on va quand même comeback un petit peu avec Di Maria, Footbirds, dès qu'on a racheté, voilà, on l'achète, on le vend, on l'achète, on le vend. Force est de constater que c'est une carte pas très chère et qui est très efficace. Du coup, il rentre dans ma team, enfin dans la team de mon frère. Du coup, je l'ai racheté. 2-1. Di Maria, on va le retrouver dans quelques secondes. Regardez, Awar qui se joue de la défense. Petit dragback de Di Maria. 5 mauvais pieds, voilà, tu peux tirer du droit. Ça ne craint pas. 2-2. 34e minute de jeu, regardez, ça allait très vite. Hein, ça allait très vite. Déjà 4 buts en une demi-heure. On va retrouver Dalglish ici. Petite passe pour Awar. Neymar, virgule, et là on pense que ça va rentrer, non, malheureusement ça ne rentre pas. La faible qualité, la faible puissance de tir du Neymar POTM qui se fait ressentir parce qu'il a trois autres cartes supérieures ou deux autres, je sais plus, et forcément eSport
baisse le niveau de ses cartes pour que vous puissiez acheter les supérieurs. C'est la magie d'eSport et c'est surtout une réalité qu'on cache. Et oui, les petites mises à jour de 5 Go pour changer un slip de joueur alors que c'est pour changer toute la dynamique du jeu. C'est un scandale, mais bon, c'est une réalité auquel on fait face. Malheureusement, ce jeu nous rend fou, ce jeu nous rend zinzin. Mais voilà, on y joue quand même parce qu'il n'y a que ce jeu de foot. En tout cas, les gars, j'espère que ce petit résumé vous a plu. Voilà, pour vous parler un peu de Cezinha et d'Alglish, pour vous montrer un petit peu l'upgrade que j'ai fait sur la team de mon frère. On va continuer le futur, j'espère lui faire au moins élite. Voilà, après, si j'arrête comme le week-end dernier en 14, c'est juste que je n'ai pas de parole. Allez, sur ce, je vous laisse, les gars, en vous souhaitant un bon week-end, une bonne soirée. Et on se dit à très vite. Ciao tout le monde.